Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous montrer comment réparer des petites fissures dans vos dalles de béton. Après que vous déménagez dans votre maison, vous pouvez peut-être constater qu'il y a des petites fissures dans le béton de vos dalles, soit dans le garage ou le sous-sol. Une chose pour savoir si il faut nous notifier pour venir constater les fissures ou si c'est quelque chose que vous pouvez réparer vous-même, c'est 2,25 sous. S'il y a des endroits où ce que ça peut rentrer, ça serait mieux de nous contacter pour qu'on puisse constater s'il y a des réparations à faire. Donc, la liste d'outils pour effectuer cette réparation sont pas mal simples. Ici, c'est un produit que tu peux acheter dans quasiment n'importe quelle quincaillerie. D'habitude, ça s'appelle scellant pour fissures de béton. Après ça, un coupe de gainé. Vous pouvez toujours en garder un humide. Ça va vous aider un petit peu prochainement dans la réparation qu'on va effectuer. Donc, vous allez commencer en aspirant la fissure. Dès que c'est nettoyé, vous allez appliquer le scellant tel que démontré. Ensuite, vous allez l'essuyer. Donc, ça, c'est comment que vous pouvez réparer des fissures dans le béton. Donc, soit des murs de fondation ou des slabs. Juste à vérifier, il faut toujours faire un suivi là-dessus. Si c'est pas aussi grand pour vraiment nécessiter de nous contacter, vous pouvez les réparer de cette façon-là. Sinon, soyez pas gêné de nous contacter non plus.